Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui ont l'onction. Dieu nous a donné cette onction. Nous on ne discute pas. On est sur le terrain. Quand le sorcier sent notre odeur, il est obligé d'éternuer, il a cancer le cerveau. Amen. Voilà. On n'est pas même chose. Dieu a dit, ce n'est pas l'orgueil. Je suis obligé de vous dire, vous parlez de sorcellerie et nous on agit en les matant. Deux choses différentes. Donc, quand quelqu'un a cette onction de Dieu sur la vie, sa vie, c'est ça le témoignage dans la région. Nous sommes dans une région où il y a le témoignage. Il y a le témoignage. Nous sommes restés pendant des années ici, il y a le témoignage. Comment Zaroko a été développé, ça c'est déjà un élément pour nous. Où les gens mouraient dans ce village, 9 à 10 corps par semaine. Aujourd'hui, c'est arrêté. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la mentalité. Aujourd'hui, il n'y avait pas de. Tous les dispensaires étaient fermés. On vient de m'apprendre qu'ils ont reçu l'infirmier qui vient de s'installer, la sage-femme vient de s'installer. Nous avons contribué au développement d'un village et d'une région. Il n'avait pas d'eau potable. Nous sommes restés là en train de prier le Seigneur. Et celui qui avait la clé de l'eau, je suis allé le traquer chez lui à la maison. Je lui ai dit, donne-moi la clé. Parce qu'il avait les clés. Chacun a sa clé. Ils ont bloqué l'eau. Et nous, nous avons restitué la clé. Et ils ont eu de l'eau potable. Donc, il y a des témoignages sur le terrain. Voilà, il y a des témoignages. Donc, si vous voulez parler, venez. Il y a des témoignages. Et nous luttons contre la sorcellerie. La diaspora est victime beaucoup de certaines choses. Parce qu'il y a un mélange de cultures. L'Occident les influence le plus. Les influence à point qu'ils oublient leur repère. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Or, pour avancer dans la vie, il faut savoir d'où tu es quitté et savoir où tu ne pas. Or, ignorer la sorcellerie, mais c'est grave et c'est dangereux. C'est grave et c'est dangereux. Quand vous voulez ou pas, vous êtes venu de l'Afrique. Je ne dis pas chez les blancs, pas la sorcellerie, mais vous êtes venu de l'Afrique. Forcément, ils vont t'aider. Et puis derrière, quand vous venez faire les funérailles, vous-même, vous savez ce que vous faites ici. Dans les sorciers sont aigris, ils n'aiment pas ça. Vous filmez avec les portables de dernière génération dans les narines d'un sorcier. Hein? Vous filmez les sorciers. Et puis vos chocobis, là, c'est un aigre, les sorciers. Les sorciers, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi quand on dit aux gens, je suis quitté à Paris, ça peut vous tuer. Oui. Les gens qu'on dit à lui, il est quitté à Paris, hein. C'est comme c'est reçu, mais c'est faux. Oui, c'est faux. La France n'est pas synonyme de réussite. Il y a des gens qui n'ont sans papier, même qui ont un papier, mais qui n'ont pas de travail. Même pour avoir 10 euros, c'est un problème. Amen. Alléluia. Voilà donc. C'est pour prier pour vous. Hein, l'année 2018, là, c'est pour la diaspora. Ça, je vous rassure qu'au nouveau, à partir de 2018, le Seigneur va commencer à établir le peuple noir, le noir, ou les nègres. Il va commencer à nous établir dans beaucoup de domaines. Dans le domaine des affaires, dans beaucoup de domaines. Voilà, parce que Dieu ne nous a pas oubliés. Voilà, et puis je voudrais aussi échanger avec vous comment investir en Afrique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit. J'ai plein d'idées à vous donner. Ne fuyez pas l'Afrique. L'Afrique est le continent d'avenir. Et c'est avec nous les Africains. C'est pas avec les Blancs. Et leur rêve, c'est d'acheter Divo. Si un Blanc pouvait acheter Divo, il allait l'acheter. Parce que ça, Jésus n'a plus d'espace. L'Éternel ne donne plus, ne produit pas. Chez nous, ça produit. Mais les gens fuient à cause de la sorcellerie. J'ai rencontré un monsieur, le maire de Verbania, qui dit papa Verbania de Bonifacio, en Italie. On m'a reçu, on a échangé. Donc j'ai créé même cette contre-contact entre la mairie de cette localité et la ville de Divo. Avant, c'est comme ça que je suis. Voilà. J'ai créé ce contact-là pour qu'il puisse vraiment aider la ville de Divo. Et puis on parlait de l'immigration clandestine, les gens vont, est-ce tout ça. J'ai dit, est-ce que je peux parler? Il dit, mais pourquoi je ne sensibilise pas les gens à leur dire de ne pas faire la chose?
tu vas dire ça à qui? Il va t'écouter. Vous voyez, j'ai dit, j'ai fait, mais vous voyez, c'est comme moi de la télévision là. Et il ne voyait pas ça. Il voyait. Il voyait, mais ça ne dit rien. J'ai dit, le gars même là, il est déjà un cadavre, un abulant. Dans la rue, tu vois. C'est un cadavre abulant. Donc la mère ne fait que concrétiser ce qu'il était avant. La mère le tue pour concrétiser le cadavre abulant. Donc lui, tu ne peux pas l'enlever ça dans sa tête. Or, j'ai dit au maire, le bateau que vous voyez, on appelle ça bateau de fortune. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on met dedans. C'est des fortes sommes. C'est plus de 4000 euros, 5000 euros pour faire ce voyage. Ok. Donc on fait une expérience. Ils montent des affaires, ça ne marche pas. Ils montent des affaires, la sorcellerie vient détruire. Donc eux, ils préfèrent pour eux le moyen le plus sûr, ça allait se cacher en Europe. Ça allait se cacher en Europe. Et encore, le problème qu'on a aussi, c'est un problème monétaire. Votre petit, non, votre argent là, petit, ça fait 600 francs chez nous. Votre 1000, ça fait 650 000. Comment quelqu'un ne va pas prendre bateau pour aller là-bas? Non, mon ami, mais quand on change sur vous là, c'est gnéni, gnéni. On ne peut pas changer. C'est gnéni, gnéni. J'avais au moins 100 000 francs, je voulais changer aux États-Unis. Parce que je ne voyais pas trop l'utilité, ça traînait. J'ai fait plus de 2 mois. Je voyais, on dit, c'est quoi? C'est quel papier? Ils disent que c'est quel papier? Quel papier? Quel papier? Je suis choqué moi-même. J'ai rangé mes petits papiers, j'ai mis dans ma poche, dans mon sac, j'ai attendu de venir faire mon malin à Abidjan. Ah, maintenant, je ne suis pas en train de vous parler d'autre chose. Vous dites, il y a toutes ces raisons. Par moment, il faut comprendre les gens. Il faut aller doucement avec eux pour les sensibiliser. Sinon, si vous ne mettez pas dans leur peau que vous voulez les attaquer, mais ils vont partir toujours. Voilà, donc j'ai expliqué, j'ai dit, la plupart du temps, il y a un problème de sorcellerie. Chez nous ici, c'est courant. Peut-être que vous ne voyez pas ça chez vous. Mais chez nous ici, la jalousie fait qu'il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Amen. Je vais parler ce matin. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Hier, j'ai commencé à parler un peu de l'historique. Je suis revenu un peu sur le combat que nous avons mené ici en Côte d'Ivoire et que nous continuons de mener par la grâce de Dieu. Malgré nos détracteurs, je vous ai parlé un peu de ce qu'on a vécu. Amen. Dans les villages, j'ai visité la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens courent dans mes croisades? Parce qu'ils sont convaincus qu'au travers de notre ministère, Jésus-Christ peut les délivrer. Nous avons le remède. Le seul remède, le problème que nous avons, c'est un problème spirituel. Le seul problème que nous avons tous ici, c'est un problème d'ordre spirituel. Nous avons un sous-sol très riche. Nous sommes issus même des familles riches. Parce que ici, quand on dit richesse, c'est des terres. Nous parlons des terres. Nous parlons des terres, nous parlons plein de choses. Mais la sorcellerie est toujours là. Pour tout gâter, la sorcellerie gâte tout ça. Et ça prouve aujourd'hui la sorcellerie qu'il y a le retard dans chaque famille et dans la vie de chaque individu. Le retard, vous savez, le sorcier, lui, sa stratégie, c'est la nuisance, c'est de lui. Le sorcier, lui, c'est ça. Il est possédé d'un esprit méchant. Voilà, je préfère l'esprit méchant. Voilà, un esprit mauvais, un esprit méchant. Et quand il est possédé d'un esprit méchant, n'est-ce pas? Tout ce qui l'anime, c'est de détruire les gens qui sont bien. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? C'est pour détruire les gens qui sont bien. Or, on peut initier une personne contre son gré. Amen. On peut initier une personne contre son gré. C'est-à-dire, que tu veux ou pas, on peut te mettre dans la sorcellerie. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas à l'abri de la sorcellerie. Quel que soit ta vie, quel que soit ton âge, un matin, si un sorcier veut t'initier, il va t'initier. C'est pour ça que la plupart du temps, avant de manger, il faut prier. Parce que la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. La première étape qu'ils essaient d'engager pour vous initier, c'est au travers de l'aliment, d'abord. Pourquoi? Parce que la nuit, souvent, il vient, ça ne marche pas. Or, il en fout quelque chose que tu manges. Parce que l'âme se trouve dans le sang, comprenez? Donc, il affaiblit ton âme. Quand tu commences à manger, où il peut t'inviter? Ok? Aujourd'hui, à cause de la sorcellerie, il faut qu'on soit... Soyez prudent. Moi, je vous conseille la prudence.
Aujourd'hui, il y a encore cette histoire d'entente. Les trucs des djihadistes, quand tu rentres dans l'avion, c'est comme on te mettait nu. Tu es fâché, même. On te scanne ici, on te scanne ici. Tu enlèves chaussures, tu enlèves mon. Aux États-Unis, c'est grave. Tu mets ta main sur un mur, on voit nu. Hein? Parce qu'il y a eu djihadiste. Vous comprenez donc? À cause de la présence de la sorcellerie, mais soyez prudents. Ouais, soyez prudents. C'est pour ça que moi, je suis très prudent. Voilà, parce que je mange. Vous comprenez? Donc, ils ont cette capacité de vous donner à manger, par exemple. Okay? Et dans la nourriture, il peut déjà l'envoûter, préparer, n'est-ce pas, l'élément qui peut faire sortir votre âme de votre corps pour le voyage astral. Il y a beaucoup de choses à dire. Sauf que les gens doivent s'approcher. Nous, ici, c'est une école. Franchement, ici, c'est comme une école. Voilà, c'est comme une école. Donc, on enseigne les gens sur les choses mystiques. Les choses mystiques. Parce que mystique, ça veut dire un mystère caché. Or, la parole de Dieu n'est pas mystique. Le christianisme, c'est à base de vérité. Donc, il n'y a pas de mystère. C'est pour ça que c'est ouvert. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le prophète Krasso est mystique. Parce qu'il ne cache pas ce qu'il fait. Les mystiques, c'est pour ça que les marabouts, tout ce qu'ils font en temps, derrière leur drap sale, personne ne sait. C'est un drap sale. Plein d'odeur de conneries, de nasegui. Comment toi, garçon, tu vas laver femme de quelqu'un? Vous deux, vous êtes dans le champ, faites quoi là-bas? C'est pas. Donc, tout ce qui se passe, ça veut dire, il ne faut pas dire. Ou bien il dit, marche, va au carrefour, ne regarde pas derrière, tu souffres. Tu souffres. Ou bien si tu finis de manger, faut manger plat. Dans la bouche là-bas, il ne faut pas manger, croquer les os. Hein. Oh, un Africain qui mange un poulet, il doit croquer un peu les os. Comme ça, nous sommes tous nés. Ça nous fait tout souvent, quand ça va dans les pays des Blancs, on dit on ne mange pas les os, il dit pardonner. Si un os l'a empoisonné, c'est que la chair a empoisonné. Parce qu'il n'y a pas ces mêmes choses. Donc, non, il y a trop, c'est pas qu'il mange les os. Puis, on me regarde, mais c'est comme ça que je suis. Amen. Donc, ils ont cette capacité de vous envoûter au travers. C'est pour cela qu'il faut prier. Celui qui ne prie pas, il est en danger. Et les gens leur donnent le plat, ça leur dirait mange. Or, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Si ton enfant, il a les verres, les ténias qu'il aime manger, beaucoup, ils vont vite l'envoûter. Voilà, donc, ils ont cette capacité d'être en contact avec vous et dans le but de pouvoir vous initier à la sorcellerie. Et une fois que vous avez mangé ça, déjà le corps, l'esprit commence à bouger en vous. Et vous voyez déjà dans le rêve des personnes inconnues, n'est-ce pas, dans le rêve. Vous avez l'impression de voir des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous êtes assis dans l'assemblée des personnes inconnues et vous êtes en train de partager un plat, manger. Ça a commencé, hein. L'initiation, la sorcellerie comme ça a commencé. Et puis un matin, à une nuit, on vient t'appeler. Et tu sors effectivement de ton corps. Tu dois devenir sorcier. Tiens, il faut t'asseoir. Maintenant, ton corps, ton âme ne tient plus, puisqu'on a déjà travaillé, on a déjà goûté. Ce sont ceux qui sont sous le contrôle des esprits. On te fait asseoir, on te dit tiens. Maintenant, ça devient une conscience. Tu es convaincu, maintenant qu'on te met, tu prêtes serment. Le serment de silence. Tu dis rien. Et on te charge de méchant. On te dit donne quelqu'un de chair. Il faut donner quelqu'un. Si tu ne donnes pas une personne, tu n'as pas le droit à la parole dans la confrérie. Donc, un sorcier, il doit donner quelqu'un. Donc, il donne une personne. Et quand il finit de donner la personne, ok, maintenant il a droit à la parole. Il va parler. Il peut maintenant prendre des décisions. Voilà, donc il est dedans. Il assiste les réunions. Mais il n'est pas hors. Cette étape-là lui donne la possibilité de se métamorphoser. C'est-à-dire, faire des voyages astrales. Or, il doit s'alimenter. Il doit partir s'alimenter. Pour qu'il puisse avoir plus de pouvoir mystique. Ok, donc, et tous les soirs, il est là-bas. Et on lui demande, la première étape, de donner une personne par mois. Vous avez compris, la vieille parlait, la vieille, elle disait, c'était mon tour de donner, donc j'ai donné. C'est comme ça, c'est une tortue humaine. Vous devez donner, donc, vous donnez, ok, vous donnez, et puis après ça, vous attendez une autre étape. Cette étape-là, te donne la capacité de voyager intercontinental. C'est-à-dire, tu peux sortir de l'Afrique et partir en Europe. Oui, tu as ce pouvoir-là, de partir de l'Afrique en Europe. Ouais, c'est ce pouvoir mystique-là. Tu peux partir
rapidement te balader en Europe, aller tuer quelqu'un. Le voyage astral, c'est quoi? C'est vivre un homme qui vit selon l'esprit. Il pense, je vais aller aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Ok. Il peut déjà localiser. Et comme d'autres, ils ont ce pouvoir. Ils ont un autre pouvoir qui est encore un pouvoir mystique. C'est des canaries mystiques qu'ils ont chez eux. Et moi, j'ai déjà rencontré ça beaucoup de fois. Partout, je suis allé dans mes croisades. J'ai rencontré ça à Zegreboué. Ou un imam, excusez-moi, il faut que je dise les choses par l'heure, qui avait ce canari-là, lui, sa spécialité, c'était d'avoir, de tuer les gens. Ok? On donne la photo, il fait des incantations, et le nom, la personne sort, et il prend un fémur. Il y avait l'os. Où est la photo, non? Maman, la photo aussi. Comment un monsieur comme moi, là, vous pouvez me traiter de diabolique? Hein? Vous êtes assis dans le salon. Je suis homme de Dieu. Tu es homme de Dieu comment? On dit Luc, là, acte 10, le verset 38. On dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Il ne restait pas à Paris. Je dis non, Jésus ne restait pas à Paris. Il ne restait pas à Abidjan. Il allait de village en village, de ville en ville. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans le village. C'est ça qui vous effraie. Je vous effraie. Ils effraient les fidèles. Comment vous pouvez effrayer un fidèle converti? Vous donnez l'impression que c'est le diable qui est plus fort. Il ne faut pas aller dans ton village, si tu vas les sorcier. Ça veut dire, voici ça, voici. Ah, moi mon affaire de maréchal, ce n'est pas musulman. Je l'ai pris. Voici le canari mystique. Voici le fémur, ça c'est un os. Et quel qui l'a mis dedans? Tu ne peux pas te marier, c'est là. Tu es aux États-Unis, fais des incantations. Et puis il voit ta photo sortir, ton image. Sur la sorcellerie, c'est une science occulte. Tout ce qu'on voit comme science, là, la sorcellerie est dedans. Hein? Il voit ta photo, et puis il prend l'os qui est à côté, et puis il t'en sort. Donc tu tombes, boucon, ABC, non. Et tu sais l'île et tu es mort. On dit, ah non, c'est tension. Les mises en scène, elles sont trop fortes dedans. Voilà, donc... Et c'est dans son village. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous dites, ah non, le prophète, il fait des montagnes. Depuis quand, il y a plus de 5000 vidéos. Depuis quand un sorcier est venu témoigner pour dire, me voici dans cette vidéo, le prophète m'a acheté pour dire autre chose. Depuis quand, depuis vous suivez mes vidéos, quel jour un sorcier a levé le doigt pour dire, il m'a acheté, il m'a dit de dire des conneries. J'ai quel temps pour l'acheter quelqu'un pour dire des conneries. Je sais. Donc maintenant, là, je vais les attaquer sur une autre forme. Je les traduis devant toutes les juridictions. Je les traduis là. Moi, je suis garçon. Je suis très courageux. Le travail qu'il est fait là, c'est le travail des courageux. Donc, j'ai compris que les gens font les prières. On va s'affronter. Oui. Quand moi, je commence, je ne laisse pas. Je ne laisse pas ce combat. Je ne laisse pas ça. Parce que des personnes innocentes sont en train de mourir. Ceux qui doivent développer l'Afrique, qui ont des grandes connaissances, qui doivent faire avancer, vous les mangez. Vous voyez donc? Et cette étape-là, vous voyez, la personne a le canari. Il fait des incantations. Et la photo sort. Ton visage, à Paris, tu es en train de marcher. Et on te voit dedans. Et tu es dit. Or, la chose était déjà faite sur le plan mystique. Que vous croyez ou pas, la sorcellerie existe. Votre manque de croyance ne peut pas empêcher la chose d'exister. Elle existe, la sorcellerie. Ça, c'est clair et net. Au contraire, c'est vous qui êtes dans l'ignorance, c'est dangereux. Parce que l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Je peux comprendre que tu ne sais pas, tu vas apprendre. Ok. Donc, dans ton humilité, il faut faire tes recherches. Voilà. Mais il ne faut pas blâmer la chose. Ah non, ça n'existe pas. Vous accusez les gens. On n'accuse pas des choses, des gens. On leur dit ce qu'ils sont. Ils sont sorciers. Ouais, bah. Un chien appelé chien. Cabri. C'est cabri. Amen. Donc, là, c'est pour tous. C'est-à-dire, tu veux, tu bois que du sang. Tu t'alimentes que du sang. Maintenant, la troisième étape, cette étape-là donne la possibilité. Tu peux aller manger avec toutes les confréries. Que ce soit la confrérie d'Abidjan, quand tu vas là-bas, tu sais à manger. C'est-à-dire,
C'est comme nous, nos limites. Amen. Tu peux aller parler avec Satan, ton patron. Hein? Mais il faut que chaque jour, tu boives du sang. C'est pour ça que les gens s'alimentent avec du sang. Donc, il y a trois étapes, n'est-ce pas, de cette sorcellerie-là. Amen. Maintenant, la sorcellerie, qu'est-ce qui peut provoquer ça? N'est-ce pas? On peut t'initier comme ton propre, mais comment reconnaître un sorcier? La plupart du temps, le sorcier est celui-là qui est très hypocrite. Hein? C'est l'hypocrisie. Il fait semblant d'être le monsieur qui est plus gentil. C'est ça qui a éprouvé la gentillesse des gens. Moi, il a fini ça. Hein? Éprouver les gens. J'ai été éprouvé quand on t'a dit, mais le gars, la main, il est comme ça. D'abord, même l'homme, même de nature, est hypocrite. Amen. Amen. Dans les relations entre monsieur et madame, d'abord, quand quelqu'un veut marier une femme, tout le monde se fait gentil, sérieux. Ou bien, ça prend beaucoup. Amen. Voilà, c'est pour ça que dans les relations des fiançailles, il faut sonder. Il faut commencer à sonder les cœurs. Il faut commencer à. Mais tout le monde est sérieux. Sérieux. Oh, le gars est dangereux. Amen. Amen. Le gars est dangereux. C'est pour ça que il faut commencer à sonder. J'ai toujours dit, Dieu a donné le cerveau et les yeux à l'être humain. Amen. C'est pour ça que nous, dans nos jargons ici, on dit, bagage que loue là, je connais ça. Combien? Quelque chose n'a pas encore soulevé, mais tes yeux m'ont déjà pesé ça. Tes yeux savent que c'est loup. Combien? Les yeux savent que c'est loup. Tu t'as venu t'emmerder, il faut les soulever. Ça a fracassé ta colonne vertébrale. Faut les soulever ça. Donc, par moment, dans les relations, on peut savoir. Voilà, voici ça ici. Voici la féminine. Le monsieur, il est en train de. Voilà, il est en train de faire la démonstration. L'os humain, ouais, comment il utilise ça comme arme ou de destitution. Voici le travail que le prophète a souffert. Vous qui m'insultez, là, vous êtes diable. Moi, je démasse. Je les démasse. Je ne m'amuse pas avec eux. Je m'en vais chez eux. Un monsieur comme ça qui a tué plus de 672 personnes. Le seul. 672 personnes. Si ce n'est pas bon, attends, arrêtez ça, arrêtez vos conneries. Mais parce que lui, l'expert, il a même temps marabout, il a même temps féticheur. Il est en même temps féticheur. On en voit que son travail, c'est de tuer les gens. Sa spécialité, il tue. Que vous voulez ou pas, c'est le spirituel. Il y a toujours le côté spirituel qui intervient toujours. Hein? Donc voici comment les gens agissent. Donc le nouveau 3, quand il arrive au nouveau 3, il peut manger avec Satan, il peut manger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir accès à vous, ils cherchent à avoir un contact physique. Ils créent ce contact. C'est ça qu'il faut savoir avec qui tu marches. Ils vont chercher une amitié avec toi. Ils vont te convaincre sur tous les plans qu'il est gentil. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous protège. Hein. Mm-hmm. Ça, je me souviens, que les gens qui sont au village chez nous, puis la voix fait un coq rouge. Mm-hmm. Il y a un sac bizarre, il y a un coq du village, il donne ça au vieux. Et puis le vieux est chaud matin, préparez son grill, hein, et le coq. À 4h du matin, le coq là, tu vas entendre le faire. Coq là-dedans. Dans la cuisine. Et ils sont devant le portail. Les coqs rouges, vous les ravis, vous les verrez, les coqs rouges, les villageois, coqs rouges bizarres. Tu les regardes, mais tu dis, mais il est moche, je suis la même, c'est Foro Bana, vous les Foro Bana, les Tigana bizarres. J'ai demandé à quelqu'un, il dit que la Tigana, c'est leur souvenir ça. Il est venu en ville, et puis il avait un régime de bananes bizarre. Le vieux est chaud à suivre même pour tout. Et c'est son crime. Comme ça, le vieux le prend à table. Oh, le coq est envoûté. C'est le coq envoûté. C'est comme ça qu'il arrive à vous avoir. Ben, petite banane, régime, il dit ça. Comme s'il est gentil. Oh, c'est là que tu vas manger ton totem. Je n'ai pas dit la plupart du temps qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont gentilles. Mais écoutez, il faut quand même avoir le discernement. Il faut quand même avoir de la sorcellerie aujourd'hui. Donc, il cherche à avoir contact avec toi parce qu'il sait qu'est-ce qu'il. Donc, dès qu'il rentre à la maison,
il va commencer à faire quelque chose. Il va te paraître peut-être étrange. Peut-être que ça ne dit pas autre. Vous n'êtes pas. Attention, mais quelqu'un qui va déféquer, c'est important. Parce qu'au travers de leur sel, au deuxième degré de la sorcellerie, leur âme, c'est même l'urine, sel. Nous l'appelons ça Gounini. Gounini. Caca de sorcier. C'est pas vraiment caca, c'est sorcier. Gounini. Sorcier qui chie dans les maisons. Quand tu es en train de construire, il vient, il chie Gounini. Tu ne peux plus construire. C'est leur âme. Ou bien tu as ton magasin, il vient chier la chie devant. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'ils sont en train d'embouter le magasin. Donc cela arme souvent. Il vient, il fait comme l'oublier, il ne tire pas la chasse. Quand vous partez, ça envoûte la maison. Quand il chie là, qui ne tire pas la chasse, c'est fait exprès. C'est pour envoûter toute la maison. Si toi tu es tombé là-dessus, tu es mal barré. C'est pour ça que chez moi, si tu vas dormir chez moi, c'est que je suis convaincu que tu es délivré. Je vous dis la vérité. Si tu veux prendre comme méchant, j'avance. Les blancs quand ont commencé à combattre la sorcellerie. Quand ils ont fini, chacun vivait chez lui. Demandez à ceux qui vivent en Europe. Blanc, mais je ne cherche même pas à causer avec toi. Ça n'intéresse même pas de causer avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le purée. Tout cela, c'est le moyen de. Et ces gens-là, ils ne dorment pas vite. Je ne sais pas chez toi. Tu cherches quoi au salon? Va dormir. Il traîne. Vous attendez, je les pieds. Il attend de posséder le territoire. Il possède le territoire. Et il va commencer à aimer l'enfant. Il va regarder un enfant, il va commencer à jouer l'enfant. C'est son apprenti sorcier qui a commencé. Il va commencer à préparer le sorcier. Il va dire, mais j'ai envie de dormir le petit. Il va voir un élément dans la maison sur lequel s'appuyer pour te contrôler. Quand il finit sa mission, il est parti. Deux jours du pauvre. Comme ça, il dit pauvre. Il vient, il va te dire qu'il est venu faire les papiers. Il a pensé à toi, il ne dit même pas. Il ne fait même pas un mois. Vite. Il a placé ses caméras. Et généralement, leurs caméras mystiques, quand vous rentrez dans leur caméra, se plaque toujours à gauche. Le caméra mystique de la sorcellerie, se plaque toujours à gauche, à l'angle de gauche. C'est à partir de là qu'ils ont le contrôle. Parce que là, à gauche, ils ont la capacité de contrôler toute la maison. Donc, il place sa caméra mystique. Toi, tu penses que tu es à Paris ou bien au village, il t'a déjà vu. Or, ils ont cette capacité aussi de mettre en contact avec vous, physiquement, parler avec vous. Maintenant, ils ont des puces qu'ils mettent, mettent en vous. Quand vous saluez, ils mettent leurs puces là dans votre corps. Quand vous saluez aujourd'hui. C'est pour cela que, bien aimé, l'onction du là, ça ne doit pas manquer. Dans vos maisons et partout d'ailleurs, ça ne doit pas manquer. L'huile, l'onction. Donc, ils utilisent ça, ils parlent, ils mettent l'encontre en contact avec vous. Dès qu'ils vous saluent, ils ont déjà un élément qu'ils ont, ils ont mis en vous. À partir de là, ils vous contrôlent. Partout passé, ils savent. C'est pour ça que tu as l'impression que partout tu t'en vas déposer, demande, on refuse, tu passes là, tu as l'impression que quelqu'un te suit. Ok. Il y a encore un autre élément. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes par exemple dans la rue et vous avez l'impression qu'on vous appelle, même en plein Paris, par vos noms du village. Ne répondez pas. Parce que quand ils veulent te tuer, c'est comme ça. Ils vont t'appeler par ton nom et dès qu'on t'appelle par ton nom, dès que tu réponds, ton âme est prise. Dès que tu réponds, ton âme est prise immédiatement. Parce que quand ils n'arrivent pas à t'avoir la nuit, maintenant physiquement, tu cherches. Quand vous les attendez parler, dit j'ai appelé son nom et puis je l'ai pris, n'est-ce pas? Ok. Parce que par moment, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir à cause de la prière, mais ils ne baissent pas les bras. Les sorciers, vous voyez là, ils sont très persévérants. Si on était persévérants comme eux, on serait condamné aujourd'hui à avoir peut-être la victoire sur beaucoup de choses. Nous, on se décourage vite. Et ne se décourage pas. S'ils ont perdu le combat, ils sont les étudiants encore. Et puis, ils font quoi? Un effort pour t'affaiblir. Pour te déconnecter de tout ce qui est de Dieu. Pour te décourager. Tout ce qui est Dieu, ça ne doit pas t'intéresser.
Amen. Ok. Quand ils savent déjà que tu as quelqu'un sérieux qui doit te marier, cette odeur, ils n'aiment pas tant ça. Sorcier n'aime pas tant la fête de mariage. Il n'aime pas tant. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui doit vous faire entrer dans le mariage, priez beaucoup pour ça. Vous aimez trop parler. Il y a des gens qui aiment trop parler. Ah, le monsieur, j'ai vu aujourd'hui là. Hey! Dieu merci. Ma chérie, viens mon mari. Viens mon mari. Tu as une quoi? C'est qui? Tu vas te marier? Où tu es bien? Faut les invités à manger le gâteau. J'ai dit la même chose, moi, être avec ta robe. C'est qu'elle va te montrer la nuit. C'est pour ça qu'il faut garder ton. Garder. Ferme. On te prie. Si ça te démange, démange, démange. Ben, les gens, ça les démange de parler. Ça les démange. Va devant le Seigneur prier. Tu veux parler? La prière va parler. T'as déjà ça les démange. Tant qu'il ne parle pas, il n'est pas tranquille. Ne marchez jamais une personne. Ne marchez jamais les gens qui ne savent pas garder les écrits. Pourquoi ils ont jeté Joseph dans le puits? À cause du rêve. Toi, tu fais un rêve, tu viens partager ça aux gens. Et ils ont déchiffré le rêve. Ah, donc ça veut dire, toi, c'est toi qui seras grand sinon ici. Ah. Il a pas dit. Vous avez un élément très important pour votre vie. Mais gardez ça. Vous avez un rendez-vous pour vous. Gardez ça. Mettez ça en prière. Non, c'est mon ami. Tu sais où il va la nuit? Tu sais où il va la nuit? Pour dire ami, là. On ne dit pas ami comme ça. Jésus, parmi les disciples, il a eu trois intimes. Jean, Pierre et Jacques. Qui ont vu la transpiration. Trois. Un ami, c'est un intime. Capable de te protéger. Capable de te supporter. Mais un ami qui s'entend avec tes ennemis, ça veut dire qu'il est un ennemi déguisé. Il s'attend bien ceux qui parlent mal de toi. Ah, ça veut dire, il allège quand les gens parlent mal de toi. Quand les gens parlent mal de toi, il est content. Tu entends normalement un ami, ton ami intime. Quand les gens parlent de toi, il doit se révolter un peu. C'est pour ça qu'on ne marche pas n'importe qui. Donc, généralement, ces personnes-là, elles sont beaucoup hypocrites et tout ça. Et puis elles cherchent, elles créent un contact pour détruire le mariage. Comme j'expliquais, le cas d'une jeune dame. Des jeunes filles qui étaient dans une église à Guéo, sa spécialité c'est de détruire les mariages. Qu'est-ce qu'une soeur doit se marier dans une église? Elle est en contact avec la soeur, et puis bon, elle détruit le mariage. Elle passait la nuit, elle dit on va prier, on va intercéder ensemble. Elle est soeur en Christ, hein, diaconette dans une église. Hein. Ok, on va prier ensemble, on va intercéder. Toi tu fais confiance. Chez toi tu as une soeur en Christ, on va prier. Dormir ensemble. Ah, non, on va passer la nuit ensemble. Tu ne connais pas. Tu as fait quoi dans ma chambre? Ouais. On va prier ensemble. Pierre Gat. Comment on a su ça? J'étais en train de faire un grand programme. Je l'ai mentionné aussi dans mon livre que je suis en train de faire. J'étais à Guéillo, c'est en 2006, je crois. Et la dame est sortie de son corps. J'étais invité par un pasteur pour organiser un séminaire sur comment reconnaître et détruire la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de son corps. Comment on a su ça? Elle est tombée dans la salle, dans l'église. L'œil, le sang en train de gigler comme ça. Et puis elle a crié, mon œil, donc crever mon œil. Donc moi, j'ai eu peur. Le sang partout. Et puis elle vient, marche. Donc moi, je fuis. Elle est en genoux. Elle me demande, elle dit pardon. Je dis, mais quoi là? Il y a quoi? Qu'elle me demande pardon. Quand elle voulait sortir de son corps, c'est là que j'ai dit, madame, c'est Seigneur qui est en train de dire. J'ai écouté. Elle voulait sortir de son corps, et puis un ange, elle a senti quelqu'un en blanc qui avait une lance qui a percé son œil. Pouf, elle est tombée. Amen. Elle me regarde, l'œil est crevé. Physiquement, merci. C'est plus vrai, physiquement dans l'église. Dans l'église. J'ai dit, un bon. Pourquoi? Elle dit, non, on n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire.
Parce que je suis en train d'éclairer l'église de Dieu sur la pratique de la sorcellerie. Les gens n'en parlent pas, ils disent sorcier, sorcier. Or, nous, nous rentrons dans les moindres détails. Nous expliquons leur comportement, leur manière de faire et la solution, les remèdes. On est en train d'expliquer et ça l'énervait. Ok. Elle a commencé à parler. Elle dit, ah, tu vas parler, hein? C'est que tu as commencé là. On va terminer ça. Donc moi-même, j'ai trouvé séminaire. Elle va faire mon séminaire. Donc il apprend, elle a commencé à expliquer. Donc c'est maintenant, les gens commencent à comprendre l'importance de mon enseignement. Donc elle explique comment elle a mis un dragon devant l'église de réveil de chez Villa, de la ville. Comment elle a attaqué l'assemblée de Dieu de Villa. Si vous ne parlez pas de la sorcellerie, c'est qu'ils sont là. Le jour où vous allez parler d'eux, ils seront dérangés. Pensez. C'est comme la dame, la femme libérienne. Quand son pasteur commence à parler de sorcellerie, les sorciers vous attaquent, le fil sur vous. Et nous, pasteur, pourquoi t'attaques ceci? Toi-même, pourquoi t'attaques? Vous n'avez pas regardé la vidéo. Pourquoi t'attaques ceci? Pourquoi tu es les... Pourquoi? Si tu pas trop les sorciers, les gens ont fui. Le pasteur dit, ah, c'est vrai. Elle a pris le pasteur, l'a mis dans la niche. C'est qui je dis là, c'est pas amusement. La vidéo est là. Elle a pris toute l'église. Elle a fait comme Kaniba. Danish. Anish, mais c'est pas joli. Oh. Mais là, pour sorcier. Excusez-moi, pour sorcier. Anish, c'est pas joli. Depuis quand Anish est joli, mais là, pour sorcier. Pas avec Kaniba. Donc le pasteur est plane, il nage. Et le diacre à côté, il est soufflé. Or, elle est maman de l'église, présidente de l'église. Donc, c'est ici. Et dans l'église, Dieu a révélé ça à la femme du pasteur. Et les choses ont commencé à passer. C'est comme ça qu'on l'a envoyé ici, c'était scanné. Et puis on l'a attrapé ici. Or, elle est venue ici, elle a attendu piège d'abouti devant la porte ici. Elle veut manger le maréchal, elle se grève. Ça grève. Elle veut manger. Donc depuis là-bas, j'ai vu le piège. J'étais en voiture. Je suis descendu rapidement. Dieu m'a dit, j'ai vu un gros trou. Si tu as essayé, tu as touché tes pieds, boum, tu vas tomber. Quand tu vas vouloir te relever, le poison va rentrer en toi et tu vas mourir à petit feu. Et je suis levé, je suis sorti de la voiture. Nous, on est toujours attaqués. Encouragez-nous à faire ce combat. Amen. Aidez-nous à faire ce combat. Amen. On ne peut pas nous comparer à des sorciers, des mystiques. Ce n'est pas possible que nous soyons mystiques. C'est ça que nous dénonçons d'ailleurs. Donc du coup, je rentre, j'ai su que c'était elle. Elle est assise là. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait devant la porte? Elle m'a dit, pardon. D'abord, elle voulait discuter, elle dit, attends. Ah, tu me regardes. Les camarades, tu as fait quoi? C'est là, elle est venue, elle dit non, elle a fait piège. Elle pensait que c'était l'autre église où elle voulait me piéger. Or, le pasteur est dans son ventre. Tous les diacres sont dans son ventre. Elle va tout faire maintenant, elle va les défiler. Elle va les faire sortir. Tout le monde est dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a mis le pasteur Danis. Elle a mis le diacre Danis. Elle a pris toute l'église. Elle les a tous mis dedans. Imaginez-vous, vous êtes dans la nuit des sorciers. Quelle souffrance! Quelle souffrance! La chose, mais c'est pas joli déjà. Les auteurs disent ça. Donc, elle vous met dans souffrance. Amen. Et c'est comme ça qu'elle était délivrée. Donc, la fille, c'est ça. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à dénoncer que ça partit de là. Elle commence à détruire les gens. C'est pour ça que soyez très prudents. Hein? Dans vos relations avec les gens, soyez très prudents. Quand vous avez une relation de mariage, mettez ça en prière. Amen. Je n'ai jamais vu un mari qui n'a jamais été attaqué. Je n'ai jamais vu une destinée. Quand on dit que c'est pour toi, c'est attaqué. Joseph, il avait une destinée. Ils l'ont jeté. Ils l'ont attaqué. Le enfant Jésus qui est né, Jésus qui vient de naître, il est tombé sur un sorcier. On a l'information, on l'a portée au roi. Et j'ai eu une information capitale de l'étoile d'un roi. Et il envoie cette information à, n'est-ce pas, au roi à cette époque-là, Hérode. On dit qu'il est rentré dans une grande colère. Tout son problème, c'était de voir où l'enfant est et puis le tuer. Vous comprenez?
Ok, donc, eux, leur stratégie, c'est d'avoir des informations. Je sais que par moment, ils ont des éléments chez vous. Ils ont des éléments. Or, je vous explique certaines choses. Amen. Je suis en train de vous éclairer un peu. Aujourd'hui, je devais parler, pour suivre l'enseignement, si je devais parler un peu de comment la jalousie. Hein? Et cette jalousie-là, à suivre de ça, la jalousie est neuve. Amen. Je m'explique. Hein? Jalousie, ou monsieur, il n'aime pas que tu salues trop sa femme. Ça, c'est pas jalousie de sorcellerie. Okay. Kind of jealousy where the mom does not like that. Oui, c'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Non. Is that witchcraft? C'est pas sorcellerie. That's not witchcraft. Je passe trop près de ma femme et dit, ah monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Don't be closer to my wife. Aïe, il y a la route partout. Pourquoi c'est près d'elle qui passe? Il y a quoi? Pardon. Amen. Amen. Souvent, le message, c'est bizarre, le monsieur est fâché. Ah, le prophète dit même ça. C'est pas ça. Mais ça qu'il a vu, il peut se trouver jaloux. Qui t'a envoyé, je t'aime. Il faut qu'il t'explique. It must be more explicit. L'important, je t'aime et tu souris. À qui tu souris? Who of you smile? Ça, c'est pas sorcellerie. Amen. It's not jealousy. Qu'on aime, on protège. When we love, voilà, we have to protect. Protège, c'est qu'on aime. We protect what we love. Sorcellerie, là. C'est-à-dire, il a acheté. Et la haine, là. C'est-à-dire, je viens d'acheter une voiture. I just come to je t'annonce à but, tu n'es pas content. And then I give you the information. Tu n'achetais pas, you're not happy. Tu n'es pas content. I bought a wrapper, you're not happy. Putain, regardez la, attends, quand vous avez donné une information, regardez le visage. Listen, when you give an information, you better look the face first. Regardez le visage. Look the face first. Vous allez avoir, you'll see toutes les informations. All every kind of information. La personne ne va même pas vous écouter. Then the person cannot listen to you. Quand vous parlez, fait comme il vous écoute pas. Hein? When you talk, et bien, il dit, mais c'est pas toi. He doesn't like, he's not listening to you, but. Je m'excuse. Elle a compris. The chair was good. Mais ça l'arrange pas. That is not concerning. Elle peut dire même pas Dieu merci. She doesn't even say thank you. Elle va garder ça. Pendant qu'on dit ta vie while a tué les 10 000, ça a eu les 1000. So, la jalousie rentre dans son cœur. Et la sorcellerie est venue dans la vie de Saül. La jalousie est née. Jealousy. S'il est béni, it is blessed, ça fait quoi? Faut attendre pour toi. Then it, you have to wait your turn. Attends pour toi. Wait your turn. À chacun son tour. Yes. Everyone is turn. Amen. Amen. Nous les Noirs-mêmes, on aime bien ça. Black people really like. Association des temps. Association des temps. C'est pas mauvais. It's not bad. Mais ça envoie trop de jalousie. That this can bring. C'est quand vous partez faire vos associations, chacun va faire une démonstration de force. Because everyone will. Ça va dire qu'il a acheté. Ça va dire. C'est là la société. What is good, and then we have this crap. La jalousie est neuse. Jealousy. La personne commence à être jalousée. Good heart. Hatred. Elle sorcier, c'est un bon menteur. Un enfant commence à dénoncer la société, il va trop mentir. L'enfant quand il commence à beaucoup mentir, il n'est plus il est dans la société. When the kids start lying, et puis un enfant qui commence à sortir, il est très effronté. Mais c'est témoin. Non, witchcraft. Il témoin. The time to fight at night. À Gagnon, on allait faire délivrance d'un monsieur. Went in Gagnon. Il avait la tuberculose. The person delivers. Il fait le traitement 6 mois, il refait. 6 mois. 2 ans, il était dedans. On allait chez lui, on a détecté ses enfants. L'enfant est en train de faire l'inceste, excusez-moi, avec sa soeur. Son papa l'a vu, l'a frappé. La nuit, il a invité tout sa confrérie. Donc, ils ont attrapé le papa dans le lit. The court, his father, et puis, on dit au petit, il faut boxer dans les corps du vieux. Allez. And then they started beating him. Il a chicoté dans les corps du vieux. Donc, le vieux a chuchoté dans la nuit, il a vomi. Le sang. La tuberculose a commencé. C'est petit, c'est lui qui a fait ça. Then he started having tuberculosis. Donc, un petit sorti les frontés. Les sorciers sont très effrontés. Sorcerers are really. Vas-y, témoin. Be polite. Because they can do whatever they want. Ils mentent dans le but de mettre les gens par là. They lie just to put people in troubles. Ils ont la lampe pendante. I was ready to lie. Ils sont spécialisés. They are really specialists. Parlez ici. Talking here. Parlez ici.
talking here. Ils sont très forts dedans. They are really specialists. Ils sont très méchants. And very wicked. Ils aiment pas partager. They don't like sharing. They don't like sharing. Partage pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas de sentiments. They don't have. Ils font pleurer là. Donc ça doit être bien. When there's someone cries, the nuts. Les choses. Et puis ils aiment bien regarder les films d'horreur, les enfants. The light. Où il y a le sang là, ça les intéresse. Commencez déjà à délivrer l'enfant. Never start. Moi-même, je ne vois même pas le sang. I don't. Quand il y a accident, je ne vais pas regarder. Les choses sur internet. When there is pressure, I don't like it. Un enfant qui regarde ça. What a kid. Sans s'inquiéter. It's like used for cheating. À regarder ce film-là. With blood or a film. Il n'est plus trop loin de ça. It's not very far from witchcraft. Amen. And they are really dangerous. À donner des maladies. To give sicknesses. Dites incurables. That we cannot heal. Un matin tu te lèves. You wake up. Tu as une maladie incurable. You have a very difficult sickness. Et tu sais pas où mettre la tête. And you don't know what to do. Le sida par exemple. AIDS for example. AVC. And then some other beaucoup de maladies. Too many others. Voilà, tension, des trucs comme ça. Many other sicknesses. Et souvent aussi. And sometimes. Il y a aussi. La haine injustifiée, ça dit pour rien s'énerver. They can be in anger. Pour rien. They can be in anger for nothing. Pour rien. Nothing. Mais à quoi je suis pas d'humeur. Toujours c'est toi qui démontes. Tu n'es pas d'humeur. Oh la Bible soyez toujours joyeux. But the Bible says to be always in joy. Toi tu n'es pas d'humeur. Ça produit là toujours si. And then your face is already. Moi chez moi tout le monde va rire matin. Yes, in my house everybody helps me. C'est la loi. Smart. Mary, tu t'es mis serré, tu dégages. If you don't smile, then I keep. Tu dois rire matin. Don't worry. Tu dois pas être d'humeur. Je suis modèle, tu n'es pas d'humeur. Tu vas les prier. Et quand tu te réveilles là, tu pries le Seigneur, tu donnes l'humeur là. Bonne humeur, à te donner ça. The Lord gives si tu es de mauvaise humeur, tu quittes ma maison. I don't have. Parce que ça ne m'apporte pas le bonheur. To be in bad moods, to be in my house. Si tu es mauvaise humeur, ce n'est pas bon. Donc la haine est justifiée. Unjustified hatred. Ils sont toujours fâchés. Toujours always fâchés. In anger. Toujours fâchés. Always anger. Ils aiment bien se venger. They like revenge. La vengeance. Toujours prêt à se venger. Always ready. Toujours prêt à se venger. Already. Toujours prêt à se venger. To take revenge. Toujours prêt à se venger. Always ready. Amen. Amen. Voici un peu certains éléments here are some pour reconnaître un peu recognize la sorcellerie. Witchcraft. Voilà, sur le plan physique, son comportement. Physical aspects. Maintenant, comment vaincre la sorcellerie? How to overcome? Je vais brièvement toucher ça un peu. A bit. Sinon. Touch it. Vous allez acheter le livre après, ça va beaucoup vous aider. Amen. You'll buy the book after. D'abord, l'acceptation de Christ. Ça, c'est bien l'élément très important. Selon moi, l'acceptation de Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean 12. The Bible says in John 1. On dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. But all those who received. Et quand nous devenons 1 Jean. Et Jean, pardon, autant pour moi. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Chapter l'acceptation de Christ dans sa vie. Christ c'est un moyen puissant de protection contre la sorcellerie. Protection against witchcraft. Moi-même, je suis un exemple. Papa. Ok. Christ example. Ok. Donc, quand vous avez Christ en vous, il vient s'asseoir en vous. La Bible dit the Bible says, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les gens, ils ont peur de la sorcellerie. Mais la personne qui protège, ils ont peur, ils ne veulent pas l'accepter. Ils trouvent que c'est trop difficile d'accepter le Seigneur. It's very difficult to accept the Lord. Ils trouvent que c'est difficile. The part is. Or, celui dont les sorciers ont peur, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Parce qu'il les a vaincus de la croix. Jesus Christ, because he overcame them. Toi, tu veux qu'on prie pour toi. You won't. Mais si tu n'as pas Christ, c'est peine perdue. Je suis désolé. I'm sorry. C'est peine perdue. It's in vain. Or, quand Christ sera dans ta vie, when you have Christ il te donnera ce pouvoir. He can even give you selon Luc 10, verset 19.
Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer cette promesse de Dieu? Amen. 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 Le survivant, c'est moi. À cause du fait que j'accepte. Simply because I'm. Je suis mieux placé pour rendre ce témoignage. Accepted Jesus. Amen. In the right place to et give quand tu l'as dans ta vie, when you have it, il faut marcher selon lui. You, get, you have to work in covenant. Pas seulement je vais à l'église. Il faut marcher selon Christ. I'm going to church, but you have to work. Si tu marches selon le Seigneur. If you work, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel. The Bible declares that. Tant au-dessus de tous ceux qui les haïssent et les arrache du. Ce qu'il a eu fait. Il rentre dans ta vie, n'est pas inquiété. Il vient comme il veut. Il vient. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Amen. C'est ça qu'il faut marcher selon la parole. Le diable sait qui vous êtes. The devil knows. Les sorciers savent qui nous sommes. Donc si nous acceptons, si nous avons Jésus-Christ, il faut que nous marchions selon lui. Si nous avons Christ, aucun sorcier ne pourra nous détruire. Véritablement, si nous marchons selon lui, ils pourront t'attaquer. Selon Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Les gens, Je suis là. Did you attack me? That you attacked me. Je t'ai déclaré la guerre. I'm declaring you fight now. Je t'ai déclaré la guerre. J'envoie contre toi le tonnerre de Dieu. The storm of the Lord. J'envoie contre toi la mort. J'envoie contre toi la maladie. Sickness. Pendant une semaine. For a week. De mini. For midnight. 4 heures. Le sang de Jésus m'a sauvé. Mais la Bible déclare, nous l'avons vécu. Le diable a tort du sang de l'agneau. Notre victoire se trouve dans le sang de Jésus. Pourquoi avoir peur? C'est normal. Moi, je suis toujours attaqué. Je suis toujours attaqué. J'étais dans un village à délivrer. I was in the village just for deliverance. En 2008. Il y a un village qu'on appelle Boutoubré. Boutoubré. C'est vers Meadji. Il n'y a pas courant là-bas. No light. No electricity. Il y a le fleuve Sassandra. Then we have. Traversé c'est un pirogue. You cross. Tout le monde est sorcier. Everybody is sorcier. Chacun qui a son temps là pour manger. Le plus faible se retrouve dans une marmite. Ils ont une église là-bas. They have a church called. Je dis pas le nom, mais tout le monde à 4h du matin. On va parler ici. At 4 a.m. J'ai attaqué. I have done this or that. Et what kind of church is it?
Le village est bloqué. And then the village. On m'a invité dans le village. They invited in that village. Leur ai dit, y a un pacte. I told them that there is que le village a confident that the village had that. Ils étaient là, ils tournaient, tournaient. They were turning. C'était le secret du village. It was a secret of the village. And I said, y a un pacte. There is a covenant. Que le village. That the village. Voilà, c'est pour ça que le développement n'entre pas dans le village. That's why development. Ils sont allés se faire septembre. Les villageois, les gars, c'est gros. To discuss. Si vous ne dites pas ça, if you don't say it, moi j'essaie. Le développement est créé, l'école, tout est bloqué. Schools, and then everything is done. Dis prophète, tu as raison. Said, oh prophet, you're right. Nous-mêmes là, nos parents, our parents, comme c'est l'eau, les blancs utilisaient, c'était moyen de transport. White people used to use water for. Pour aller à Sassandra, prendre la main, partir. Donc nous on a pris une vierge. So we have taken the virgin. Vierge. The virgin girl. Et puis il y avait des liens, juste à côté, là-bas, on a éventré la vierge. And then the, la plus vierge. God first plans to make. On a fait des incantations. The virgin girl, and then we made some. Pour que le village, les blancs ne voient pas le village. So that white people cannot see the village. C'est comme ça. C'est pour cela que on demande, fait les demandes pour avoir une école. Ça échoue. Having some, tout ce qu'on fait comme dispensaire, ça échoue. Just to be the schools, bon. Everything that we do. À votre temps, c'était utile. Depuis quand quelqu'un il fait parler un blanc, puis il avance. Ok. Someone be in discussion with the white man. Les blancs, c'est vrai qu'ils sont bizarres, mais ils sont importants. White men are really important. Ok. White people. Les lois, ils vous laissent. But they give you up. C'est fini pour le pays. It's finished for your country. Tu sais fabriquer chocolat. Do you have to chocolate? Tu sais faire chocolat. Cacao. Do you know how to make chocolate? Que Dieu nous aide. May God help us. Donc cette pratique mystique là. So this mystical practice. Fait que le village est bloqué. Ok. Donc j'ai dit, il faut que je passe une ligne. So I said. Ils ont peur. I must call. Ils ont monté, moi j'ai pris lui. I went to the island, I poured the oil. I was happy. Le soir, on a prié. And in the evening, we prayed. At 10 p.m. I went to sleep at 1 a.m. just to pray. La nuit. That night, je suis couché. I was. Les lits bizarres. Sleeping. C'est bambou. With bamboo bands. C'est tara. Moi j'ai vécu des choses. Oh. Les bambous, les lits en bambou bizarre. Then no. Et ça je dis, puis on met un petit morceau de pain vécu. They put là-dessus. Right here on the bamboo bands. Moi-même je prends mes habits, mon sac pour faire oreille. Y'a pas oreille. Pour aller sauver les arbres. Just to save yourself. J'attends. Sounds. On touche mes pieds. Then someone touched my feet. J'ai vu que quelque chose s'est déplacé. Then I saw that quand j'ai torché la chose, j'ai vu un monstre, quelque chose de so gaillard. Je ne vous dis pas rêve. Je te parle de ma souffrance que j'ai vécue. Telling you about my suffering. Oh, la chose a sauté sur moi. Then, ça m'a coincé. Told me. Ça m'a coincé au mur. On the wall, et j'étais en train de perdre mes forces. And I was ça m'a attrapé d'ici, de here, on pas. Oh, j'ai touché à l'interdit. Ce qu'il a fait là, c'est pas faisable. C'est pas normal qu'il fasse ça. What I should have done. Ça m'a coincé. Ce n'est pas rêve. It took me on the wall. Pas de rêve. On my neck. Attends, no, ce qu'il dit là, il compte pas de rêve. Il dit vis-à-vis. Ça m'a coincé au mur. It took me on the wall. Je ne peux pas parler. A cool mentor. Je regarde, t'as joué gaillard dans la maison. Very big. Ça t'était petit comme. Il m'a bloqué. Bloqué. Dans mon cœur. Tu as bloqué ma gorge, non? Mon cœur, il a prié. Mon cœur a prié. And then I prayed with my heart. Je connais verset. Malade toi. Je connais verset. Verset dans mon cœur. J'ai commencé à parler. Accordé contre moi. C'est un esprit, j'ai prié. Tu as bloqué mon esprit. Je suis descendu. Quand je suis descendu, la chose a disparu. Mais moi-même, là, je ne savais plus si c'était mon corps. But I didn't know if it was my body. Doucement. Slowly. Je suis sorti, j'ai crié dans le village. And I cried. J'ai crié, tout va sortir. Je ne peux pas aller dans la chambre. I couldn't enter in that room. Je ne peux pas aller dans la chambre. J'ai crié. I cried. Like this.
Non, ça c'est démon. Je n'ai plus sorcier. The devil. Sorceress. J'ai expliqué lui. C'est la première fois que tu vois ça. Ouh, nos parents. Ouh, ils adorent ça. C'est le génie de le fils à Sandra. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais toi, tu as la chance. The two of you, Mikey, Brittany, and I. Tu es resté dehors. Stayed out. J'ai commencé à prier. Started praying. Le lendemain, j'ai fait la prière. Le surlendemain, j'ai consacré la maison. Et je suis parti. Mais l'expérience que j'ai tirée de ça, j'ai compris que malgré la destinée, malgré la table, que même les gens disaient, c'était fini pour moi. Même mon mère dit, je ne crois pas que tu vas rester longtemps en vie. Et ils m'ont dit, non, ce que tu as vu là, bon, comme tu as entendu là, mais tu peux être dedans que tu vis longtemps. Depuis 2008, 2017, je suis vivant. Amen. Je suis vivant. J'ai trop vu de choses. Amen. Donc l'acceptation de Christ en vous là, c'est la protection, l'assurance vie, il est en vous. C'est cela qu'il a dit, n'est-ce pas? Il dit celui qui l'accepte reçoit la vie et la vie en abondance. Christ en toi, c'est l'expérience. Il dit, ce qui est en vous est plus fort. Si ils ont parlé des esprits que j'ai vus, j'en ai vu beaucoup. I have seen so parce que je suis un homme de terre. Mes frères, cette histoire de Christ n'est pas de l'amusement. Yes, it's not at all. Si le diable arrive à te vaincre, the devil overcome you, c'est que Christ n'a jamais été installé dans ta the vie. Lord have never been in your life until this moment. C'est pas une question de crasso. It's not a matter of c'est une question d'avoir Christ dans sa vie. It's a matter of having Christ. Alléluia. Dieu tient toujours ses promesses. Il laisse sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Vous savez, Jésus-Christ, il continuera toujours de vous garder, de vous protéger. Alléluia. Bientôt, dans quelques semaines, vous aurez le livre. Amen. Ça va beaucoup vous aider. Et ajoutez ça, il y a beaucoup de prières dans le livre que j'essaie de mettre. Mais soyez prudents. Soyez prudents. Amen. Si vous voyez que quelqu'un ne manifeste pas là, parce qu'en réalité, really, celui qui a Dieu, the one who has, on doit le reconnaître par l'humilité et par l'amour qu'il manifeste autour de lui. Love that he is giving il dit, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quand vous allez vous aimer que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Parce que lui-même exemple d'amour. Really, a very good example. Il n'est pas un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui partage. A real man of, c'est celui a real son of God, qui partage, is the one who shares. Qui a beaucoup de compassion. Love, qui veut aider. Very much compassion. Le contraire, c'est un esprit mauvais. The contrary is the bad spirit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus-Christ qui vient s'installer en nous, on a le Saint-Esprit qui vient s'installer et qui nous donne cette capacité de nous aider à vivre selon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Donc les fruits de l'Esprit de Dieu, la patience, patience, partage, tout ça. Sharing. Mais quand quelqu'un ne manifeste pas ça, il n'y a jamais dans leur comportement qui sait que lui là, il est possédé. You can realize that they are le regard même, tu n'as pas besoin d'être professeur. You don't even need to be là, il est sous bagarre. Il est possédé. Méchant. Oui. Tu vas beau pleurer devant lui, ça lui dit rien. Cry, this is nothing for him. Ça lui dit rien. Nothing. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. 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 Que Dieu nous aide. May God help us. Le plus grand don, the most, c'est le don des discernements. The big donation is, le plus grand don, discernment, c'est le don des discernements. It is the gift of that. Quand vous voulez vous engager dans une relation, when you like to be engaged in a relationship, rassurez-vous, be sure que la personne, that the person, ne pourra pas, cannot créer des problèmes de create problems in the future. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui me disait un jour, man of God was telling me one day, il dit toi, said you, dès que je te vois là, because I can see you, tu as besoin d'une femme, you need a wife, qui ne se met pas en colère. We cannot be in anger. Je lui ai dit, tu as trouvé. No, I said yes. You're right. Tu as trouvé, c'est comme ça. C'est, right. C'est la prière qui est faite au Seigneur. This is the prayer that I'm
telling to the Lord. Elle doit être douce. She must be. C'est que tu entends. Because what you hear. Tout le temps. Every day. Moi-même, je suis homme de Dieu. I know that I'm a man of God. But comment tu arrives à how can you supporter ça? Bear. C'est ça qu'il faut qu'une Dieu te donne une femme must keep you qui se met pas en colère. The wife. Qui va te comprendre. Parce que par moment, il y a des humains qui chantent. En écoutant les aveux, je me retrouve dans certains aveux. Ils font que par moment mes humains changent. So, et puis j'arrête. Parce que malgré le temps que j'ai mis dedans, il y a des aveux qui me choquent. I'm really shocked with some confessions. Amen. Et là il m'a dit. Yeah, it told me. Et il m'a dit, je prie pour toi. C'est un grand problème. Il dit, je prie pour toi. Good man, come on. So that bien aimé for you. That's part, my beloved. Dans une relation, in a relationship, il faut être convaincu you must be que la sure personne qu'on a the person that we have ne peut pas nous créer des problèmes. Cannot create troubles to us. Il faut mettre ça en épreuve. You ça have va to sonder la personne. Pour savoir test que ah, c'est un test. Et j'entends it les tests. Test that I'm hearing. Tu vas marier une femme. Going to marry elle a un lance-roquet dans sa bouche. And always ready. Tu es bon. Telling good bad words. Tu as fini de délivrer sorcier. After your deliverance. Tu allais délivrer sorcier à la maison. Tu es mort. And then, amen. Le discernement. That's it. C'est ça que la chose. That's why la plus importante. The most important. La paix entre Monsieur et Madame. Si ce n'est pas fait. Why? C'est un problème. Tu as sorcier. The husband. If it is not down, it's you are far from his brother. La Bible dit. The Bible declares. Que le soleil that the sun ne se couche pas never sous ta colère. Must not sleep. Moi, j'ai trop sondé l'homme pour ça. I really know. En réalité, je dis pas. Moi, je vous supporte les femmes. I do support you, dear you. Le caractère de the behavior de guerrier n'est pas fait pour femme. Warrior behavior is not for wife. Amen. La femme, c'est l'incarnation de la douceur. Is the house of fitness. Amen. C'est même pas faux. C'est sans femme, nous sommes. We're nothing without women. C'est la vérité. C'est pour ça qu'une bonne femme, c'est un bon mariage. Un bon mariage. Have a very good husband. Une bonne femme. A very good wife. C'est un bon mari. That's a very good. C'est le comportement d'une the femme. The behavior of the wife. Then it's her in the house. Bring her. Les hommes voyez, ils sont pas. C'est les gens sont possédés. Men are really possessed. Ils sont possédés. They're possessed. On les en fout partout, chaque jour, dans la rue, choqués pour séduire. Dont le gars d'embûche l'embouté, l'attaché l'embouté, à jamais l'embouté, à son côté l'embouté. Donc tout ce temps d'embouteillement. So, il est toujours corner, maintenant, toi, tu dois te la part des choses. What you have to do, par ton comportement. You have to une femme qui sait prendre son mari. Take very good. D'abord des fiançailles. The right way your husband. L'homme, il va penser à tout. Mais cette femme, il va jamais nous. Il va dire non. So that your man can never forget you. Parce que tout commence dans les fiançailles. Because everything starts with ce qui se passe dans les fiançailles. C'est ce qui va se passer dans le mariage. And after this will happen in your husband in your wedding. Une femme qui avait quelqu'un dans les fiançailles qui n'est pas sûr, c'est qu'il y a un problème. A very good wife who has. Amen. A person to woo. Donc la femme doit savoir gérer son fiancé. Must know. Quel que soit les humeurs. Parce que c'est la femme qui fait l'homme. Because je ne dis pas que vous n'avez pas le cœur. Je ne suis pas blessé. Je ne dis pas ça. I'm not saying it. La femme, elle est faite pour encaisser. Excusez-moi. To be here. Douleur de 9 mois. La cachot va faire ça. The pain that you il va mourir. During 9 mois. Men cannot do it. 9 mois. 9 mois. Grossesse. Douleur de l'enfantement. Pourquoi tu as donné ça à la femme? Giving birth here. Pourquoi Dieu donne ça à la femme? Why did God give it to the wives, to the women? C'est ça que Dieu bénisse nos mamans. That's why God. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse nos mamans. May God bless you. C'est pour cela que la douleur
Vous savez que c'est douleur de l'enfantement. Mais tiens, je là, c'est ça qui a ténèbre. Douleur connu douleur, tu as déjà encaissé ça. L'enfant est comme une mère. La mère dans un foyer, elle protège. Protect. Quel que soit ce que l'enfant est, la mère est toujours là pour défendre. Si tu deviens comme une mère, is always present to protect. If you become like a woman, a mother, you have a very good husband. Là, c'est le principe du foyer. There is the principle. C'est l'homme qui a senti le besoin. The mom needs. La femme n'était pas là. The mom was in donc la femme est venue aider l'homme. The woman was missing. So just the woman came just to help the man. Dans l'homme, il est gonflé. Was in there, but he's not. Non, n'aime pas demander pardon vite vite. Plutôt pas être. Tarzan, des fâchés comme Tarzan. Always in anger. Nos muscles, les nerfs du front sont always larges. On a orgueilleux, nous les hommes. And pride. Vaincu, on est diable. We become like devils. Amen. Amen. C'est pour ça que par moment qu'on est dans un foyer. That's why sometimes when we are in the house. On a qu'à elle tout. Parce que par moment, la femme a besoin de ça. Because the woman needs it. The woman needs it. Si on a fini l'étape de fiançailles, if we finish, qu'on est dans un foyer, the first step of soit foyer, comme la nuit, we are in the house, be like a lamb. J'ai toujours dit une femme, I always used to say that, quand elle aime son mari, a woman, when a woman loves, elle est prête à mourir. Amen. And she's ready to die. If it is that you have received the memory, ready to die for you. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Nous avons besoin de we need wives qui vont nous aider to help us. Vous aider à aller de l'avant. To go ahead. Alleluia. Quand vous rencontrez une femme, when you meet a wife, a woman, comme Sarah, like comme, Sarah, comme Rebecca. Like Rebecca, elle vous apporte le sourire. Can you bring a smile? C'est à cause de Rebecca. Because of Rebecca. Isaac, on appelait Isaac. Isaac avait du sourire. Elle a perdu sa maman. Sarah, elle a commencé à pleurer. Then Sarah started crying. Les larmes se sont arrêtées quand elle a rencontré Rebecca. The tears stopped when he met Rebecca. Toi, tu es avec un homme, lui, il pleut seulement. Il pleut seulement. Comme si le travail arrive aussi. Pas toi-même. C'est pour ça chez nous ici on dit Dieu que vous voyez là bagage t'es lourd, il voit ça, il connaît. On veut se marier. We like to get married. On a qu'à avoir bon comportement. But we have to have. Nous les hommes là, vous les hommes êtes nombreux que nous. The women are numerous, the men. Vous êtes nombreux que nous. Numerous than men. Sois la meilleure. Tu vas pas marier. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le. When you found a wife has found happiness. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de cœur. Si vous avez un cœur. I don't say that you have. You do not have. Mais la capacité de supporter cette douleur. Can be. Ça qui fait de toi une femme. The ability to bear that pain makes you a very good wife. Quand tu es femme. Pour rentrer dans un foyer. You're a very good wife to enter the house. You need to bear the pain. C'est le couronnement de tout ce qu'on vit dans les fiançailles. The first step of we. Amen. Amen. Où le jour, the day, vous tombez, you fall down. C'est une mauvaise femme. You meet a very bad wife. Elle va manger ta maman. She can even. Elle va manger ton papa. Attack your father. On a vu ça ici la semaine dernière. Je cherchais à rentrer dans la famille. Elle a mangé papa de son mari. Elle allait manger maman et son sarachi. Husband's father. Husband's father. Elle a mangé beau-frère. Elle a mangé chez moi. Brother-in-law. Maintenant elle a attaché. Elle a attaché. Then she tied. Elle a attaché le mari. Le pauvre. The husband. The poor man. Pour janvier, elle veut manger. Pour January. Amen. Amen. C'est comme si tu tombes aussi, c'est un homme sorcier. C'est like mal barré. Il va prendre ta chance, il va aller vendre ça. You can even take your chance, your life.
to serve it. C'est tellement simple. Vous reconnaître un vrai homme, c'est l'attention et le lait. Est-ce qu'un homme quand il aime, il se sacrifie? When a man loves, he can make sacrifices. Vous savez moi? That's why. J'aime bien les gens qui aiment s'occuper de leurs femmes. I do like people who take care of their wives. C'est bon quand on veut le cadeau. It's very good when you give a present. À la maison, but in the house, the love qui reste homme. Stays the man. Va payer la maison. You need to pay for the house rent. Ça, vous laissez quatre bleus de ta femme, s'il te plaît, laisse les quatre bleus de ta femme. Leave the cards of your wife. Je n'aime pas les gigolos. Ça, je dis ça aujourd'hui. Toi, garçon musclé, que tu as fabriqué, ça vous vit dans la poche de femme. Living in women's pockets. Parce que là où sort l'argent, because where the money comes c'est là c'est toute l'autorité. Is si tu veux que la femme te respecte, if you want the woman to respect you, il faut que tu sois sorti l'argent. Si c'est le contraire, c'est qui peut sortir l'argent. Out from your own pocket. Chocoto, Chocoto, c'est payé par le son pot en bas. Bon pour ta femme. Chocoto, brosse à dents. Toothbrush. Colgate. Past. Elle va venir te dire un jour, s'il te plaît, est-ce que tu me fais les frites? Can you cook that for me? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir me faire les pédicures? Can you come and do that for me? S'il te plaît. Please. Va laver les enfants. Go and wash the kids. C'est toi qui as chaud. J'ai pas dit, j'ai joué. Tu as un témoignage. Yes, you live and give with testimony. Amen. Amen. Pour ta famille. You need to pray for your family. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à respecter ce caractère. Peut-être qu'on a pris ça dans la gêne. Maybe we have taken that the error. Les maltraitances, nos parents faisaient, nos mamans, nous puissions respecter. So that we can respect our wives. Nous puissions respecter les femmes. Respect women. Amen. Quand un foyer fondé. When a house is founded and love, I'm not saying that we cannot confess first. Woman first. Je dois convaincre. To be convinced that she will not attack me. Elle va manger sauce d'abrou arachide, mais manger pendant que tu es couché brouturon, tu es fatigué après le croisade, tu vas dans une marée. For example. Amen. 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 Quand je suis convaincu, tu es convaincu, il n'y a plus de problème. Convinced, there is the mais que Dieu nous aide à rencontrer la femme to meet et l'homme de notre vie. Amen. Et que Dieu façonne notre caractère. The God church, quand vous l'aimez, demandez au Seigneur de façonner son caractère. Et quand tu l'aimes, tu... mais généralement, c'est la femme qui fait l'homme. Quand la femme a trop de tension, elle est parfaite. Ou un ministère d'ailleurs. Une femme qui a trop nerveuse. Elle n'est pas bonne pour un ministère. Amen. Non, non, non. A woman, for example, is une femme qui doit conduire un homme de Dieu qui est un grand ministère, c'est une femme de temps. A man of God must be really sweet, lovely. Pas une femme qui s'énerve à tout moment. The one who is always in anger, parce que t'es un grand homme, tu caches une femme. C'est la femme qui gère. Quand il a mis votre conseil, hein? If you receive advices, it's because of women. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut communiquer. That's why you need to communicate. Essayez de prouver pour voir si elle est bonne. Try to test if she's good or not. Et que Dieu nous donne le discernement. And God can give dans nos différentes maisons, in dans nos différents services, ceux qui nous entourent, que Dieu nous ouvre les yeux, may God qui ceux qui sont sorciers. Les gens qui sont sorciers, on ne les sait pas. Sorcerers. Nous qui sommes les amitiés avec les gens, on ne les sait pas. We're friends with Dieu nous ouvre les yeux. Et ça, c'est God open our eyes. Moi, chaque fois, every day, ma prière. Every Seigneur, my prayer, les personnes ne sont plus utiles. Parce que quand vous voulez pas, more les gens sont là pour un temps. Hein? People have prayed the wrong. Et les gens, faut qu'ils sortent de ta vie. But we need to leave, so that some other people can enter. Amen. 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 Parce qu'il y a des mauvaises connexions. Because we have some bad connections. You can even go with bad connections. Vous embêtez. C'est ma prière. Those were not useful for my life. They come out. Make them out of my life. It's true that it is painful. But this will be useful for you. For your peace. For your peace. For your peace.
so that you can be at peace. J'ai toujours dit aux gens, nul n'est indispensable. Ce Dieu. No one. Mais si il dit il veut partir, laisse-lui partir. C'est l'exaucement de ta prière. Ça peut être l'exaucement de ta prière parce qu'il faut qu'il parte. Pourquoi Dieu peut manifester certains de vous. Et nous allons prier ce matin. And we pray this morning. Nous allons demander au Seigneur de nous visiter. On lève la main. Nous levons la main ce matin. Puissant de Dieu ce matin. Je veux voir tout le monde en train de prier. I would like to see everybody pray. Tout le monde en train de prier. Everybody pray. Réclame la grâce de Dieu si tu avais. The grace of Lord. Réclame la grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu si tu avais ce matin. Au nom de Jésus. Nous prions que Dieu se manifeste ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le docteur soit pour nous. The word and for us. C'est la sorcellerie. The word of victory. C'est la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Oui, oui. Alléluia. Est-ce que tu peux l'entendre encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort? Alléluia. Merci Jésus de m'avoir libéré. Merci de m'avoir libéré. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma guérison. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de la Nazareth? Amen. Alléluia. Nous allons dire merci à l'Éternel. Merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Merci parce que depuis la première heure, il est resté avec nous. Toutes choses ont été faites par lui. Nous allons lui dire merci. Élevons la voix, prions ensemble. Disons-lui merci. Prions. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci Seigneur, depuis la première heure jusqu'à maintenant Seigneur. Tu as été avec nous, tu nous as protégés Père, tu as conduit ce but qu'on aime Seigneur. Tu as été le président Seigneur Jésus, Père, tu as conduit toutes choses par ta puissance Seigneur mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous allons prier, nous allons remettre aussi tout ce mois en tes mains et toute cette nouvelle semaine. Nous allons dire Seigneur, protège-nous, que cette semaine nous soit favorable et que tout ce mois nous soit favorable. Élevons la voix et commençons à prier. Remettons-nous la semaine et le mois. Prions ensemble. Oui, prie, lève la voix, prie. Et dis Seigneur, que ce mois soit sous ton contrôle. Que ce mois soit pour moi un mois de faveur. Que toutes les grâces, les bénédictions m'accompagnent durant tout ce mois. Prie. Confie sur moi l'Éternel, et cette semaine qui démarre maintenant, confie-la à l'Éternel. Dis Seigneur, que tout ce que l'ennemi aura programmé contre nous, la mort, les accidents, les surprises désagréables, les malheurs, la maladie, que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Il est d'avoir écrit au nom de Jésus. Tout ce mois, merci Seigneur de bénir cette semaine. Toute la gloire à toi, au nom de Jésus, que j'ai prié, on dit amen. Est-ce que tu es avec Jésus? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, très rapidement, nous allons faire nos offrandes de soutien.